Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer, puisque nous arrivons sur la fin du mois de juin, donc nous sommes en été, et nous allons bientôt festoyer comme il se doit le 1er juillet, jour de mon anniversaire, attention. Et donc, en arrivant aux grandes vacances, je me dis, tiens, ça pourrait être fun de proposer un petit horoscope pour juillet, et puis un autre après peut-être pour le mois d'août, et puis peut-être à continuer si l'envie me dit, et puis surtout si ça vous plaît. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit horoscope de l'été, on va dire ça comme ça. Et puis donc du coup, on va partir sur une vidéo pour le mois de juillet pour commencer. Et pour ce faire, je vais utiliser mon tapis préféré, qui est le tapis de Clos, et puis les cartes qui vont avec, les cartes de Clos qui sont mes cartes favorites parmi toutes. Et donc du coup, on va utiliser ces cartes-là pour pouvoir faire un petit tirage qui sera toujours en trois cartes. Alors toujours en trois cartes de manière assez facile, il y aura une carte centrale, une à gauche, une à droite, et qui va suivre le schéma suivant. La carte de droite nous indiquera ce qui va se passer. Ce que vous allez vivre durant le mois à venir, puisque le soleil est toujours dans une forme d'émission, c'est quelque chose qui est émetteur, on est sur de l'extéroceptif, et le côté droit est d'ailleurs en rapport avec justement ce qui est réalisé, ce qui est à l'extérieur de nous, ce qui est dans le concret, dans la matière ou dans le mécanique. De l'autre côté à gauche, on est sur le côté personnel, le côté intime, le côté intérieur, l'interoceptif, et la lune est toujours dans le ressenti. Donc là, à cet endroit-là, on verra la carte qui nous parlera de la manière dont vous allez vivre l'action qui se trouvera ici. Et puis, il y aura une carte centre qui sera la carte qui nous parlera de que faire pour, on va dire, avoir la bonne étoile de notre côté, c'est-à-dire quelle action mettre en place, quel comportement adopter pour que les choses se passent bien et que l'on puisse passer un bon mois. Donc du coup, on va faire ça signe par signe. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de fans des cartes de Clos dans le lot, et je suis très très heureux de voir d'ailleurs le succès des vidéos où je présente les cartes ainsi que du livret PDF, puisque beaucoup de personnes m'en parlent. Je sais que j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé pourquoi je n'avais pas intégré à l'intérieur les trois autres cartes, c'est-à-dire The Nothing, la carte sans nom et The Hope. En réalité, je ne les ai pas intégrées parce qu'on les trouve pas toujours dans tous les jeux, et puis parce que moi, j'ai appris pendant des années et des années, pendant plus d'une dizaine d'années, avec le jeu qui n'avait pas ces cartes-là à l'intérieur. Donc la raison pour laquelle je ne les utilise pas et pour laquelle je ne les ai pas intégrées dans le livret, c'est simplement pour ça. Mais si vraiment ça vous intéresse que je les intègre dans le livret, dans ce cas-là, dites-le moi et puis je tâcherai de proposer une nouvelle version. D'ailleurs, j'ai juste fait une petite update sur le livret PDF. Voilà, j'ai retouché 2-3 mots, j'ai rajouté quelques petites définitions par-ci, par-là. Donc n'hésitez pas à le retélécharger, ça se trouve dans la description, dans le texte en bas. Et d'ailleurs, toujours dans la description en dessous de la vidéo, vous allez retrouver du coup tous les liens pour toutes les vidéos selon le signe qui est le vôtre. Alors vous pouvez regarder le signe et l'ascendant si vous souhaitez les deux. Le signe en règle générale, c'est ce qui est bien, parce que moi c'est vraiment sur ça que je me suis basé, je ne me suis pas basé sur l'ascendant pour faire les vidéos, mais voilà, si le cœur vous dit de regarder les deux, n'hésitez pas. Et puis si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas également à mettre un petit mot en commentaire en disant oui, on veut les autres mois de l'année, et puis je verrai ce que je peux faire à ce moment-là malgré le peu de temps disponible. Et puis pour la suite de l'aventure, je vous retrouverai pour d'autres présentations, puisque j'ai l'intention de vous proposer quelques petites présentations de jeux à venir également. Je reprends un peu les activités vidéo, donc on se retrouve très très vite. Je vous souhaite un très bon horoscope et je vous dis à tout bientôt. Salut !